Fun Radio. Enjoy the music. Les Criss Cross Amsterdam sont mes invités ici sur Fun Radio. Déjà, Criss Cross Amsterdam, welcome. Thank you. And you are the number one of our playlist in France. Yes. With Queen of My Castle. Wow, wow. Yeah. Merci beaucoup. Merci. We check every day. Ah. And Holland, Dutch is close to us because we are Dutch. Yeah. But the number one, number two, it's you guys. So we check and we're like, oh, we love you. Fun Radio. D'abord les Pays-Bas et puis la France. Donc on vous aime. Vive la France. Bonne radio, je t'aime. Merci beaucoup. Bah, tiens, et racontez-moi un petit peu l'histoire de ce morceau, Queen of My Castle, que vous avez enregistré avec Ina et qui est devenu un des tubes de l'été. Someone wants to tell it. Okay, we made a song and of course the original is from One New Project. Yeah. And we made from King, we made Queen. And we thought, who's the Queen of Dance? And for us, it's like Ina. And also in France, I think. Yeah. So we called her, and she was like, "Oh yes, I love it." We went to Romania. We recorded the song, and we made the video clip as well. And the rest is history. Yeah. But it's so funny. It's in Holland. It's doing very well. It's a big hit, and second place is France. Right. En fait, donc c'était un morceau, effectivement, une reprise de One Du Project, King of My Castle, qu'ils ont transformé en Queen of My Castle avec, ils cherchaient une reine de la danse, et ils ont trouvé Ina, qui avait déjà aussi signé un des tubes de l'été dernier avec Riab, qui s'appelait Rock My Body. Et donc, ils disent que c'est devenu un gros tube aux Pays-Bas, et évidemment, en France, c'est les deux pays où ça cartonne un petit peu ce morceau. Donc, félicitations à vous. Tomorrowland, on y est, Criss Cross Amsterdam. Ça représente quoi pour vous? Well, Tomorrowland for us, well, it's our sixth time that we play here. So six years not in a row because of COVID and stuff. But for us, it's a very special show because it's, well, we are currently we were focusing a lot on the Dutch public, but now we went international as well with Ina, and for us to play here at Tomorrowland, it's just a kind of recognition. You get recognized for your international success. So that's really good. It's an honor. That's what I want to say. C'est la sixième fois qu'il mixe ici à Tomorrowland et il commence à avoir maintenant une notoriété internationale avec le morceau et c'est une reconnaissance et c'est un honneur d'être sur ce festival et de rencontrer effectivement la planète entière parce que ce qui marque quand vous venez à Tomorrowland, c'est de voir les drapeaux de la planète réunis. Après Ina, vous avez un rêve un petit peu, c'est quoi la suite pour les projets musicaux de Criss Cross Amsterdam? Yeah, a long time we were like when we started spinning records. Ouais. We had like our second single was Sex. Let's talk about sex, baby. Yeah, and there was a big hit, and we flew all around the world. And this guy has like now three children. This guy has two. I have zero. So he's gonna go by himself. So I'm gonna stay at zero. But I saw that they were like missing their kids, and then we decided to go Dutch. And our first song in Holland was the number one record. Mm-hmm. And that was amazing. And now we're like, I think 3-4 years further. And now we decided to go like international again. So they were like, uh-oh. Mm-hmm. But yeah. And our first song now is with Ina International. It's doing really well. But there's like, I think with Ina, another song coming. Ina, we really like, we're intimate with her. Get to know her, and she's really nice, sweet, and have a good heart. And you sent her the demo, and she loves the demo. So I think if I can spoil, and I give you a primer, it's the next song is also gonna be with Ina. Avec Ina. Donc effectivement, Criss Cross Amsterdam, dans leur carrière, ils ont travaillé avec Spinnin' Records, qui est un gros label de musique électronique sur la planète. Ils ont fait déjà des gros morceaux comme Sex, qui est une reprise de Let's Talk About Sex, Baby. Voilà, on a commencé à chanter. Voilà, après, la vie a fait que certains dans le groupe sont devenus papa. Donc là, ils ont le morceau avec Ina. Et c'est une exclue qu'ils viennent d'annoncer, c'est que le prochain morceau devrait aussi être avec Ina. Donc il y a une connexion entre Criss Cross Amsterdam et Ina qui se crée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite après Tomorrowland? Alors vous avez envie de venir en France? Quel est le rapport, les souvenirs peut-être que vous avez en France? Je m'appelle Fricandel. Français. Parler français c'est très difficile, mais non. Quand tu parles lentement, j'ai compris tout le dit. Mais vous avez envie de venir en France, de vous connecter ici? Non. Yes, we would love to come to France. We've been a few times in France, but in the Alps. But maybe
because of the hit Queen of My Castle, maybe we get we can play on a festival in France. It would be a big honor. Eh ben, c'est le message est passé. Ils attendent maintenant un festival pour venir mixer en France. Oui. L'invitation est lancée. Or the one we look up to is of course David Guetta. Yes, he's like for us, he's like a god. So he's the one we admire. David Guetta, c'est leur dieu. Yeah. C'est quoi votre morceau chacun préféré de David Guetta? Memories. Memories. Yeah, we played Memories on the stage memories. Today. Yeah, Memories. Yeah, it's one of the With the guitar. No, it's Bob Sinclair. Bob Sinclair, we love you. Also. What? Also French. Yeah. Also French. Also. With the guitar too. Edith Piaf. Ah, wow. All the crazy shit we did tonight. Memories. Merci beaucoup, Christophe Amsterdam. Merci d'être venu. Yeah. Et bien, à bientôt en France. See you soon in France. See you soon in France. Bob Sinclair. À tout à l'heure. Claire, we love you. Yes. Je t'aime.